Bon, il y a eu des aides aussi de l'État sur les constructeurs Renault, PSA, et pas les moindres, et qui n'ont pas servi l'emploi, qui n'ont pas servi à pérenniser. Ça a servi à payer en partie le chômage économique partiel, entre autres, et puis à financer, entre autres, aussi les délocalisations, et puis les licenciements qui ont été effectifs dans le Renault. Alors, c'est valable pour les usines de montage, c'est valable à plus forte raison pour les sous-traitants. Parce que les sous-traitants, soit on les a liquidés, soit on les a délocalisés, ou soit on a licencié une partie des salariés qui travaillaient dans ces sites-là. Globalement, si on veut vraiment pérenniser l'entreprise SBFM, c'est 50 millions d'euros. Donc, je crois que, de toute façon, la fonderie en tant qu'industrie est hyper capitaliste. Le problème, c'est que la fonderie, ça exige de l'investissement lourd tous les ans, avec un retour sur investissement, entre guillemets, qui est de 2-3 ans. On n'a pas le retour en fonderie comme on pourrait l'avoir dans d'autres industries. Il y a le volume et puis il y a la valeur ajoutée sur le site. Et nous, on a l'avantage d'avoir un atelier d'usinage qu'on a revendiqué de 66 quand même pour justifier les lettres de l'SDFM, parce qu'il y a la mécanique dedans, mais on n'a pas de mécanique. Et on l'a obtenu en 92, donc on voit bien que quelquefois les revendications, elles durent, mais on l'a obtenu. Ça donne de l'espoir. Ouais, on l'a obtenu, mais c'est 100 mecs, c'est 120 mecs qui travaillent dans l'atelier aussi. Voilà. Et elles vont direct en montage, en usine après. Voilà. Donc, c'est, il a fallu, là encore, revendiquer pendant de nombreuses années avant de l'obtenir. Si la direction ou l'actionnaire ne tire pas les enseignements déjà du passé, et puis on ne fait pas de surenchère, on ne demande même pas le remplacement d'un point. On demande le remplacement déjà dans un premier temps pour permettre un bon fonctionnement de l'entreprise, des postes clés, et de garantir les certaines compétences indispensables. Si ça ne s'effectue pas, avant 2 ans, je dirais même dans l'année qui vient, on va être confronté à des problèmes qui vont fragiliser mathématiquement au niveau des effectifs, mais aussi au niveau des besoins techniques et de compétences la SDF. Il y a des départs de retraite vraiment prévus, mais... C'est-à-dire que tu as 4 départs par mois en moyenne, parce que nous on est confronté à un plan en moins. Donc par exemple, là, ce mois-ci, c'était le mois le plus fort, il y a 12 départs. Enfin, il y a eu 12 départs en février. Dans les 12 départs, tu as des techniciens, tu as des professionnels. Et ils ne sont pas remplacés ? Non. 40 départs par an. On était 1000 en 2000. On continuera à mettre la pression sur les pouvoirs publics malgré tout, parce que bon, ils ont un rôle à jouer. Et puis, sous couvert d'un travail à la loupe, à partir, encore une fois, des investissements de l'actionnaire. Parce qu'on n'acceptera pas, nous non plus, que l'argent public, soit, ou les aides publiques, soit octroyées à l'actionnaire si des investissements précis et durables ne sont pas effectués. Bon, on a l'expérience des 2 derniers actionnaires entre Texid, les Italiens, et Garo, qui ont obtenu des aides publiques, mais qui ont servi uniquement à éponger leur perte et profit. Ah, c'est pas la première fois que je viens en effet ici à la SBFM. Cette fois-ci, c'est pas que pour le plaisir, parce que tout n'est pas réglé, loin de là, mais en tous les cas, c'est après la longue lutte que j'étais venu soutenir comme d'autres, hein, évidemment, j'avais pas été le seul. Bah, c'est une lutte qui m'avait donné pas mal de baume au cœur et j'en avais parlé beaucoup en sortant d'ici à toute une série de salariés qui luttent contre les mêmes politiques, les licenciements, les suppressions d'emplois. Qu'ici, y avait un groupe, une équipe qui a réussi à remporter une sacrée victoire et j'avais pris l'engagement de revenir ici une fois que la production aurait redémarré. C'est le cas, voilà. Alors, comme il y a maintenant une direction, ce qui n'était plus le cas à l'époque, évidemment, j'ai plus le droit de rentrer dans les locaux, mais c'est pas très grave. De toute façon, ce qui m'intéresse, moi, c'est de continuer à discuter avec les salariés, continuer à les soutenir dans leur combat parce que donc, tout n'est pas réglé dans le sens où, évidemment, à la moindre occasion venue, Renault fera tout pour que le site ferme s'ils peuvent faire des bénéfices autrement et de la rentabilité autrement. Donc ils mettent la pression sur les effectifs et c'est ça le gros du problème dont on discutait tout à l'heure. Et puis plus généralement, voir comment on peut populariser cette lutte pour dire à tous ceux qui résistent actuellement que c'est possible de gagner. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est la résignation quoi, dans la tête des salariés, des travailleurs. C'est que on pense que quand tu as un coup près qui te tombe comme ça sur la gueule, tu penses que c'est pas possible de gagner. Et la SBFM, c'est un exemple vivant que c'est possible de gagner, contrairement à tous les discours ambiants, quoi.